Aujourd'hui, je vais faire la pâte à modeler. Oui, aujourd'hui, on va tester une recette de pâte à modeler maison. Alors, on n'a jamais essayé, peut-être que ce sera un flop total, hein. C'est plus un challenge qu'autre chose. Est-ce qu'on va réussir? Et je peux manger. Oui, c'est de la pâte à modeler comestible. Donc, bon, manger, c'est pas un gâteau, mais s'il arrive que vous la mettiez à la bouche et tout ça, voilà, ça, pour les petits-enfants. Exactement, il n'y a rien de dangereux pour les petits. Allez, on va lancer l'intro et on vous dit ce qu'il faut faire. Oui. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Nous revoilà. Nous revoilà. Nous revoilà. Pour la liste des ingrédients. Alors, on a commencé à préparer un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir? Il va falloir, Inès a devant elle de la... le truc blanc. De farine. Ouais, de la farine. Donc, il vous faut 120 g de farine. Oui. Ensuite... Voilà. On donne déjà la liste des ingrédients. Oui, mais je montre. Voilà, 120 g de farine. Ensuite, nous avons 20 g de sel. Oui. Donc, on a mis dans l'un... Dans l'un des petits récipients. On ne sait plus c'est lequel. Oui, c'est vrai que ça se ressemble un petit peu. Voilà, on a mis donc 20 g de sel fin. Ensuite, il faut 10 g de bicarbonate. Alors, donc, c'est le petit sachet qu'on a sorti. On a acheté, et c'est beaucoup mieux, du bicarbonate alimentaire. Voilà. C'est ça qui va faire que votre pâte à modeler sera comestible. Donc, les petits-enfants pourront mettre le doigt à la bouche. Il n'y aura aucun souci. Ensuite, Inès a de l'eau devant elle. Donc, il faut 20 centilitres d'eau. Je vous rappellerai la liste des ingrédients en description, ne vous inquiétez pas, si bien sûr la recette fonctionne. Ensuite, nous avons une cuillère à soupe d'huile. Oui. Donc de l'huile végétale, nous c'est de l'huile de colza. Et des colorants, ouais, le plus important, parce que sinon votre pâte à modeler va être triste. Hein. J'ai choisi rose. Alors Inès, oui, il y a le petit mémo. Oui, voilà. Qui va bien. Là, il y a du... C'est ça. Oui, mais bon, sinon je peux voir. Il y a vert, pistache, vert, plante, turquoise, rose, orange, corail, violet, marron clair. Voilà, c'est toutes les couleurs qu'on peut faire avec le rouge, le jaune et le bleu. Oui. Donc on va tester de faire des mélanges, on le fait souvent et ça fonctionne. Hein. Oui, ça fonctionne. Ouais, on arrive à faire les mélanges. Oui. Alors, on va mélanger tout ça, donc ça se fait à la casserole, au froid, hors du feu pour l'instant. Attention. Et après, on va chauffer une fois avec l'eau. On va commencer à chauffer et fouetter. Oui. Allez, mon amour, c'est à toi de jouer. Alors, je mets la farine. Alors, tu vas commencer, c'est ça. Déjà, on va mettre tous les ingrédients secs. Donc, la farine. Il y a la poussière. Voilà. Après la farine, qu'est-ce qu'on a en ingrédients secs? Sec, il y a le sucre. Ouais. Non, c'est pas du sucre, il y a du sel. Je sais pas si c'est du sel, mais bon, pas grave. Alors, voilà. Voilà, et ensuite, on a quoi d'autre en sec? Le bicarbonate. Le bicarbonate, très bien. C'est vrai que le bicarbonate, on fait beaucoup, beaucoup de choses avec. Ouais. Et le truc là. Ensuite, il va falloir, avec le fouet, donc ouais, on va ajouter... d'huile, non? Ouais, c'est l'huile qu'on va commencer donc à fouetter. Je vais mettre en attendant. Vas-y, et tu vas commencer à fouetter. Ok. J'espère donc que ça toujours à froid. Moi aussi, j'espère que ça va marcher. Donc là, ça donne pas grand chose. Ouais. Une cuillère à soupe d'huile, c'est pas ça qui va faire grand chose. Ouais, alors, tu vas rajouter l'eau. Exactement. Et après, on va aller mettre tout ça au feu. Oh. Très bien. Tu remues bien. Et on se retrouve... après. Ouais, on se retrouve vers la gazinière. Oula. Ouais. Voilà, on a mis donc sur du chaud. Ouais. Et là, donc on remue. On doit pas cesser de remuer. Jusqu'à temps que... ça devient un peu de la pâte à modeler. Ouais, c'est ça. Voilà, que tout... parce que là, c'est très liquide. Ouais. Vous pouvez le voir. Voilà, jusqu'à temps que tout se décolle, que toutes les parois... que tout se décolle des parois et que ça va commencer à former une boule. Ouais.
Et là, on saura que la pâte à modeler est prête. Donc, c'est du sport, hein. Elle danse. Donc, demandez peut-être de l'aide à papa et maman, parce que je pense qu'au bout d'un moment, vous en aurez marre. Moi, ça va. Ça va pour l'instant? Oui. Ah, ça commence à chauffer. Ça fait au moins déjà bien 4 minutes qu'on est dessus. Oui. Ouais. On dégage bien, parce que c'est vrai que la farine va se coincer dans les parois. Donc là, ça commence vraiment à s'épaissir. Je ne sais pas si vous avez vu, au début, c'était vraiment liquide. Là, je ne sais pas si vous voyez, ça devient un peu plus crémeux, un peu plus onctueux. Mais il ne faut pas lâcher, faut y aller. Ça va, avec la chaleur, ça va gonfler petit à petit. Oh, le soleil est revenu, hein. Voilà notre vue de chez nous, de notre maison. Si vous habitez pas loin, faites-nous coucou. On est là. Ouais, on est vraiment à cet endroit. J'habite à côté de mes amis. Oui, c'est vrai. Ouais, ça commence à devenir beaucoup plus pâteux, hein. Ouais. Voilà, donc ça commence à se former. Faut être très patient, ah, hein. Ça commence à... Faut être vachement patient. Donc soyez patient, n'ayez pas peur. Si vous voyez que c'est liquide, n'ayez pas peur. Moi aussi, je me suis dit, c'est pas possible, ça va rester liquide. Mais non, petit à petit, voilà. Voilà, donc petit à petit, les parois vont se... Ça va se décoller des parois. Et quand vous voyez que ça commence à former une boule... on arrête et c'est votre pâte qui est prête. Ouais. Wow! Ah, mais ça commence à faire une boule. Ça commence à faire une boule, ouais. Donc il faut bien remuer. Il faut prendre toute la pâte. Ah, j'en peux plus. Ça commence à être chaud. Ah, ça commence à être chaud, ma chérie? Ouais. Feu doux, hein, mettez pas trop fort. Ah, ça commence à être chaud. Alors ça y est. Ouais. Hein? Donc ça a bien fonctionné. Donc c'est bien devenu une grosse boule. Ouais, ça, c'est les pâtes à modeler qu'on achète. On va voir si on pourra les remplacer, si on pourra maintenant faire notre pâte à modeler à nous maison. Ouais. Donc là, Inès malaxe la boule. Vous attendez bien que ça refroidisse, hein, parce que c'est brûlant. Ouais, mais là, c'est un petit peu chaud, mais ça va. Et petit conseil pour les mamans, mettez tout de suite la casserole dans de l'eau, hein, parce que c'est pour la récupérer, c'est compliqué après. Ouais. Donc, elle malaxe. Et ensuite, elle va nous faire des petits tests de couleurs. Regardez. Il fait une statue. La tour Eiffel, écoutez, ouais. Plutôt pas mal. Bon, c'est pas du slime, hein. Donc elle sait, mais après, voir pour la conservation, si elle se conserve bien aussi. Je vais faire rose, turquoise et violet. Donc on n'en a pas fait des tonnes, hein, parce qu'on n'était pas sûr que ça fonctionne. Ouais, mais ça marche. Mais écoutez, pour l'instant, ça fonctionne. On vous dira, suivez-nous sur Insta ou Facebook, si vous voulez savoir si elle se conserve bien. Là, je fais des petites boules. D'accord. Est-ce que tu vas nous faire combien de couleurs? Trois. Trois couleurs? Oui. D'accord. Et ça, un petit peu ici. Un petit peu là. Tu ne veux même pas faire une couleur basique? Une jaune ou une rouge normale? D'accord. Oui. Je vais faire ça. Et tout ce que j'ai, c'est le rose, le turquoise et le violet. C'est mes couleurs préférées. Et le bleu aussi. Mais je préfère turquoise, c'est beau. Je fais petit bout par petit bout. Oh. Bon, si vous avez le temps, hein. Bon, allez, je fais plus vite. Alors, elle va commencer. Par le rose. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut 3 gouttes de rouge. Ok. Alors, ce sera au milieu. Allez, ce sera celle du milieu. Plouf, plouf, c'est celle du milieu. Voilà. Ok. Et ensuite, c'est du jaune, non? Après, c'est du une goutte de bleu. Ah non, avec du rouge, d'accord. On peut faire du rose comme ça. J'aurais dit du rouge et du blanc, mais bon. Ouais. Et une goutte de bleu.
Il faut vite malaxer maintenant. Oui, merci. Voilà. Wow. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va nous donner un joli rose? Oh, je sais pas. Parce que les colorants, c'est plus après les mélanges de couleurs, c'est plus quand on fait des gâteaux ou des pâtisseries. Je sais pas si. On va voir. On va voir, on va voir. Verdict à la fin du malaxage. Là, on voit un petit peu de couleur. On voit encore beaucoup de bleu. Ouais. Qui commence. Ah, c'est du sport la pâte à modeler. Entre fouetter, entre malaxer. Alors, le mélange n'a pas trop fonctionné, c'est ouais. Mais bon, c'est au moins de la pâte à modeler. C'est vrai, c'est de la pâte à modeler. Les mélanges, bon, je voulais te conseiller peut-être pas trop, ou alors on sait pas trop faire. Alors, ça fait un peu gris violine. Ouais, gris violine. Allez, on a inventé une couleur. Maintenant, je vais faire bleu. Mais c'est pas mal. Allez, maintenant, on va nous faire bleu. On va arrêter de. On va pas trop faire de fantaisie, quoi. Oh. C'est pas grave. Par contre, moi, je me suis colorié les mains. Regardez les copains. Vous voyez pas, mais j'ai les doigts dégoûtants. Oh, mais là, c'est bleu. Oh, toi aussi, tu vas galérer à retrouver tes mains. Oh, donc voilà, pour le turquoise, maintenant, il faut qu'elle. Vous en mettez plus ou moins. Comme le turquoise, c'est un vert. Oui, c'est un vert bleu, le turquoise. C'est un bleu clair. Ouais, vous en mettez pas beaucoup. Si vous voulez plus un mer, bleu foncé, vous mettez plus mer, de bleu. Turquoise. Oh, la mer turquoise. J'ai trop envie de le voir. Oh, magnifique. On s'en va. Bleu. Aux Caraïbes. Encore rajoute un. Ouais, il y en a là. Alors, c'est le bazar sur votre table, mademoiselle Inès. Hein. Ouais, mais c'est à cause du colorant. Vous faites ça à l'école? Non. Ah, c'est plus joli là. Hein. Oui, ça fait un peu turquoise là. Ouais. Un petit peu, mais pas trop. Peut-être en rajouter un petit peu. Alors Inès, elle goûte la pâte à modeler. Donc oui, c'est comestible, les copains. Mais ça ne veut pas dire que vous pouvez la manger. C'est au cas où vous mettez les mains dans la bouche, il n'y a rien de. En gros, ce sera pas grave. Mais si ça nous gratte, c'est pas grave. C'est... Voilà, c'est ça. Mais c'est pas comme Inès à manger parce que c'est de l'eau, de la farine, du sel, du bicarbonate, franchement. C'est bon. Si tu veux que je fasse un gâteau comme ça, il n'y a pas de souci. Hein. Non. Tu veux faire comme ça, toi, ton bleu comme ça? Il ouais, a pas. Il va bien. Parce qu'on voit encore un petit peu de blanc, tu pourras encore plus en mettre. Hein. Que ce soit homogène, qu'il y en ait partout. Et l'autre couleur, du coup, on va faire quoi alors? Je sais pas. Je vais jouer avec le jaune. Le jaune? Ouais. Parce que sinon, on peut peut-être essayer de faire du rose qu'avec le rouge. Ouais, on peut faire que du rouge. Ouais, si tu t'en mets pas beaucoup, je pense que ça peut peut-être donner un peu de rose. Hein. Ouais, bah, je vais essayer. Oh, l'état des mains, les copains, les copines. Je suis en train de me transformer en trompe. Ah, tu vas voir ta langue? Non, c'est bon. Voilà. Ouais, alors, voilà, on a fini le bleu, donc il est plutôt pas mal, vous voyez, il est trop joli. C'est un violet très très ouais, clair. C'est un violet du coup, ouais. On va laisser c'est un violet clair, violet et parme. Et là, ça sera rose, peut-être. Et là, on va tester, ouais, du coup, on va pas faire jaune. Oui, parce qu'en fait... Elle est colorante, regardez-moi ça, j'ai les mains... On dirait que j'ai tué un schtroumpf. Hein. Attends, je fais un puits comme ça, je mets. Si tu veux. Voilà. Ça et on va essayer de faire un rose. Enfin, Inès va essayer de faire un rose. Oh, il est tout plaisir. Alors, nous, on a que ces trois couleurs là. Ouais. Mais il y a plein de couleurs. Hein. Ouais, il y a plein de couleurs. Encore un peu. Parce que là, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. En fait, vous voyez, petit à petit, vous malaxez, vous en remettez. C'est vraiment vous qui décidez de la couleur que vous voulez faire. Ouais. Fait penser un petit peu à de la pâte à sel. Ouais. Sauf que la pâte à sel, il fallait la cuire pour qu'elle devienne dure, mais... C'est pas mal. J'aurais jamais pensé, en tout cas, que ça aurait fonctionné. Ouais. Liquide comme c'était, mais c'est pas possible. Ah, ça commence à faire rose. La magie opère au rose. C'est les couleurs que je veux.
Et ben, je crois qu'on n'ira peut-être plus chez Pledo, hein? On n'achètera plus. Non, je plaisante. Il y aura toujours des couleurs qu'on pourra pas retrouver. Là, par exemple, je ne sais pas si vous voyez les couvercles, le rose fluo, par exemple, ou tout ça, bien sûr que non. Et tous les accessoires pour, bien sûr, faire de la pâte à modeler. Ouais, bah il faut quand même, hein. Bah, bien sûr. Et la pâte, elle ne se trouve pas dans la modeler parce que là, c'est juste pour s'amuser avec les gars parce que sinon ça va coincer dans les. C'est un peu collant alors. Ça va se coincer. Waouh! Faut juste maintenant voir si vraiment elle se conserve bien, quoi. J'ai peur de ça, de la conservation. Conservation. Ben, demain, est-ce qu'elle sera pas dure, quoi? Ah Parce oui. que tu sais, les pâtes à modeler, là, il faut bien fermer le couvercle pour pas qu'elle. Donc, celle-là, on va bien les fermer hermétiquement. Hermétiquement. Ça fait rose. Ouais, c'est bon. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Elle va vider le flacon. Allez, un tout petit peu, hein, les copains. Tu vas te faire les muscles, hein? On relaxe beaucoup avec celle-là, hein? Ouais. Regardez les copains et les copines. C'est Regardez Parce que t'es stressée, toi, excuse-nous. Regarde. C'est stressant, hein, de rester à la maison, hein? Alors voilà, Inès est Il m'a satisfaite de plu son beaucoup, rose. hein? Ouais, oui, il est beau, ouais, il est pas mal ton rose. Oui, si, si. Donc il n'y a que le mélange qui a un petit peu. Qui a pas très bien marché, mais Ouais, bon. lui, il a pas marché, mais sinon, les deux, ils Ouais, le bleu et le rose sont magnifiques. Qu'est-ce que tu as pensé de cette activité, ma chérie? sont trop bien. Trop bien, on en refera de toutes les couleurs. Ouais. Donc, on a acheté plein de couleurs différentes. Donc, oui, sceptique quant à la recette. Et en fait, ça fonctionne. Bon, elle mange. Mais en fait, ça fonctionne très bien. Donc, je vous mettrai en bas, dans la description de la vidéo, la recette. Ouais, la recette. Et testez chez vous. Franchement, Oui. les enfants peuvent la faire. Vous pouvez le faire. Toute la famille peut faire. Et puis vous pouvez Tout faire. le monde entier. Ouais, le monde entier peut faire de la pâte à modeler, Toute quoi. la France. Voilà. Voilà. Voilà, Inès l'a dit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a plu. Eh bah, tant mieux. Oui, on va faire une autre vidéo. Je sais pas moi. Sur une activité. Je sais pas. Une activité au choix. On attend vos idées, hein. N'hésitez pas à nous Ouais. donner plein d'idées à faire. Et demandez-moi et demandez moi si c'est vous qui me demandez des amis parce que en gros sur Roblox Ah oui, je Roblox, oui. sais pas moi. Je sais pas si c'est vous ou je sais pas moi mais Donc sur voilà. Roblox, Inès redemande que vous lui disiez si ou pas vous êtes une abonnée, qu'elle refuse ou pas la demande d'amis. Oui, parce que moi je veux que des abonnés. Ah, les Alors n'hésitez pas à nous envoyer les photos si vous testez la recette et nous copains, dire ce que vous avez pensé. Retrouvez-nous sur Insta, sur Facebook et sur les YouTube, bien entendu, et sur Roblox, Inès Adopt-Me. copains. Ouais. Oui. Ah, les copains, je vous aime beaucoup, beaucoup. Gros Attends, je ne bisous. peux pas faire comme ça, mais Gros bisous bon. colorés. Mouah.